En manchette aujourd'hui, vos informations personnelles. Ici, on en parlait. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 24 février. Donc, on vous a parlé cette semaine d'une rencontre qui a réuni les trois chambres de commerce de la région, le CCIBA à Berthierville, le Brandon, la Chambre de commerce de Brandon, et le Régal, le regroupement des gens d'affaires à Lavaltrie. Donc, il y a eu plusieurs sujets, deux conférenciers. Cette fois, on s'est gardé un petit extrait pour parler, évidemment, il était question de cybersécurité, de renseignements personnels. Dans l'extrait qu'on vous présente, Daniel Grégoire, avocat, nous parle justement de vos renseignements personnels. Qu'est-ce qu'un renseignement personnel? Comment peut-il être utilisé par des entreprises qui font affaire avec vous? On écoute Maître Grégoire à ce sujet. Si on regarde c'est quoi un renseignement personnel, j'ai mis une série de choses qui peuvent constituer des renseignements personnels. Donc, prénom, nom, l'âge, l'origine ethnique, l'adresse, numéro de téléphone, les dossiers médicaux, les informations biométriques et les renseignements personnels. Un renseignement pris seul, par exemple mon code postal, n'est peut-être pas un renseignement personnel, mais pris avec d'autres renseignements, pourrait constituer ensemble des renseignements personnels qui doivent être protégés. Mes coordonnées d'affaires ne sont pas des renseignements personnels. Donc, les renseignements personnels, c'est vraiment des renseignements par rapport à ma vie privée. Mon adresse courriel de bureau, mon numéro de téléphone au bureau, mon numéro de cellulaire, si je le donne comme étant un numéro pour me rejoindre dans mes fonctions professionnelles, ce ne sera pas un renseignement personnel. Donc, ça, c'est une distinction qui est assez importante à mon avis. Et il y a des renseignements qui sont sensibles. Un renseignement sensible, c'est un renseignement auquel la Commission d'accès à l'information va accorder plus d'importance. Et qui va, c'est des renseignements qui, lorsqu'on va évaluer le risque de préjudice, vont peser plus lourd. Donc, les informations relativement à ma santé, à la biométrie, donc mon Face ID sur mon téléphone, mes renseignements financiers en sont des exemples. Il y a aussi l'incidence sur ma réputation. Est-ce que mes allées et venues peuvent constituer des renseignements personnels? Oui. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur ma réputation? Ça dépend où je me tiens. Quand je vais collecter des renseignements personnels, quand vous collectez des renseignements personnels, vous allez chez Radio Shack, vous achetez des batteries, on vous demande votre code postal. Un code postal peut constituer un renseignement personnel, surtout si on le prend avec mon nom, avec mon adresse ou peu importe. Je dois consentir. En fait, la personne qui vous donne des renseignements personnels doit consentir pour les donner. Le consentement peut être implicite. Je pose la question, la personne me le donne, elle a consenti. Il peut être explicite. Je peux lui faire signer un formulaire, cocher une case sur le formulaire qui sera en ligne sur mon site Internet. Pour qu'un consentement soit valide, il doit être exprès. Donc, je dois m'informer, je dois informer la personne des raisons pour lesquelles je lui demande un renseignement personnel. Si je demande à une personne son adresse courriel pour lui envoyer le suivi de sa facture, et il ne m'a pas donné son adresse pour que je lui envoie mon infolettre à tous les 36 heures, donc le consentement est lié seulement à l'envoi de la facture et non à l'infolettre. Donc, c'est important quand on obtient l'information d'une personne, le renseignement personnel doit être reçu pour des fins qui sont précises et qui sont définies. Je ne peux pas demander des renseignements personnels à une personne en lui disant « je verrai ce que je vais faire avec plus tard ». Donc, ensuite, le consentement, comme n'importe quel consentement, doit être libre et éclairé. Donc, la personne doit me le donner sans contrainte. Je ne peux pas la menacer ou je ne peux pas la menacer de la priver d'un autre service pour lequel je n'ai pas besoin de renseignement. Et éclairé, la personne doit comprendre les raisons pour lesquelles je lui donne, je lui demande un renseignement personnel. Et j'ai mis une image, quand vous voulez accéder à plan pour avoir un itinéraire, je vous demande la position. Et si je refuse de donner ma position, plan va me dire, malheureusement, puisque vous ne m'avez pas donné la position, je ne serai pas capable de vous rendre le service. Donc,
si j'autorise Plan à utiliser ma position, en fait, Plan me demande mon consentement pour l'utiliser. Mon consentement est donné au fin de me donner un itinéraire. Et Plan a le droit de refuser de me donner le service parce que la donnée ou le renseignement qui est demandé est nécessaire pour rendre le service. Au début du mois de février, la Chambre des communes à Ottawa a adopté en deuxième lecture et avec une très forte majorité le projet de loi C-282. Le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, revient sur ce qu'il qualifie de victoire. Il nous parlera aussi de la guerre en Ukraine. Ça fait un an déjà, malheureusement. On écoute un extrait de l'entrevue qu'il nous a accordée. Bonjour Yves, on se reparle à la veille des vacances à la Chambre des communes. Et premier point que je veux discuter avec toi, comme toujours je dis toi, là, la belle victoire, je pense, que de l'adoption là, du processus pour la loi C-282. On avait assisté en direct au vote. Tu avais fait une belle présentation avant. Il y avait eu beaucoup d'émotions, je pense, sur ce point-là. Et vous avez réussi à rallier beaucoup de personnes dans la Chambre. C'est 294, mais je ne suis pas sûre. Hein? Je veux juste être sûre de dire le bon chiffre. Oui, 293 votes en faveur, 23 contre, ce qui est beaucoup plus fort qu'en 2021, on avait eu 250 votes. Donc, le travail de ralliement, je dirais que c'est continue de porter ses fruits. Puis les gens se rendent compte aussi que le projet de loi va passer pareil. Puis le milieu agricole est mobilisé, puis le milieu agricole regarde les élus, puis leur dit, là, ça suffit. Puis vous devez voter cette loi-là. On avait une trentaine de personnes qui étaient sur la colline parlementaire avec nous le jour du vote. Des gens, des fédérations de production, de gestion de l'offre, donc lait, volaille, œufs, autant Québec que Canada. On avait même le président des producteurs d'œufs de l'Ontario pour appuyer le projet de loi. On le présente toujours, le projet de loi, comme étant non-partisan, le projet de loi pour le monde agricole. Puis quand les gens voient les gens du monde agricole assis dans les estrades au moment de voter, bien, je pense que quand il y a quelqu'un qui hésite, bien, ça aide à voter pour. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait. Là, c'est ce qui est agréable. Vous parliez tantôt des étapes qui restent. Ça, c'était la deuxième lecture seulement. C'est un moment crucial. C'est comme le moment où on sait que ça va passer ou casser. Et là, on a envoyé le projet de loi pour étude en comité. Au comité permanent du commerce international, et parce que c'est cette loi-là qu'on va modifier avec ça. On a une séance de fête, la prochaine séance est le 9 mars. Il y aura trois séances au moins, et après ces séances-là, le projet de loi, s'il est adopté évidemment au comité, ce qu'on pense qu'on va arriver à faire, va revenir à la Chambre des communes pour une troisième lecture. Puis il y aura un autre vote, puis à ce moment-là, le projet de loi sera acheminé au Sénat. Et là, il faut qu'on commence notre travail au Sénat, aller voir quelles sont les intentions et ainsi de suite, puis qu'on va essayer d'expliquer le projet de loi, puis convaincre les gens de l'appuyer. Donc, c'est encore un gros travail, là. C'est un marathon qui continue. C'est pas fini. Là, on n'est pas, c'est pas fini. Il faut travailler. C'est même un ultra-marathon, je pense, qu'on pourrait le voir de cette façon-là. L'objectif serait que ça soit adopté pour le mois de juin, quoi, à la fin de la session. Est-ce que c'est envisageable? Oui, c'est envisageable. Ça se peut que ça traîne jusqu'à l'automne, mais moi, j'espère beaucoup régler ça au mois de mi-juin. Là. Mais on verra. La dernière fois, ça avait été plus long, le travail en comité, parce que on avait l'impression que les membres du gouvernement avaient voté en faveur du projet de loi se disant qu'ils allaient en élection. C'est un peu ça qui était la dynamique la dernière fois. Cette fois-ci, c'est pas ça du tout. Là, on a obtenu l'appui inconditionnel de la ministre de l'Agriculture qui a engagé l'ensemble de son gouvernement à voter en faveur du projet de loi dans sa forme actuelle, sans aucune restriction. Et sans aucun amendement, là, jusqu'au bout du processus. Donc, la dernière fois, on avait obtenu l'appui du premier ministre pour cette étape-ci qu'il nous avait dit. Cette étape-ci, c'était la deuxième lecture. Alors, c'est un engagement qui est... On vient de gagner une grosse coche. Là. Donc, ça nous assure à peu près l'adoption du projet de loi. Ça va dépendre du Sénat. Là, le Sénat, c'est... on peut s'attendre à tout là aussi. Fait qu'il faut pas rien prendre pour acquis, il faut travailler. Comme vous dites... À la planche jusqu'à la fin. On va parler d'un autre sujet, si tu es d'accord. Ça fait un an aujourd'hui que la guerre en Ukraine a été,
pourrait dire, déclarée. C'était pas une guerre, hein? C'était une intervention de la part de la Russie. Je pense que ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on est vraiment à un tournant. Hein? Faut vraiment, tu sais, il y a eu la visite de M. Biden aux États-Unis, des États-Unis en Ukraine et tout. Au niveau politique, c'est une période charnière. Là. Après un an, il faut qu'il se passe quelque chose. Le Canada envoie un petit peu plus d'armes, un peu plus de chars d'assaut. Comment ça se vit à Ottawa, cet anniversaire-là? Bien, c'est sûr que c'est pas dans la joie, là, parce qu'on voudrait pas que ça dure longtemps. On n'a aucune garantie, d'ailleurs, que ça va se régler dans la prochaine année. C'est une guerre qui semble vouloir s'enliser. Une chose qui est claire, c'est que notre soutien envers le peuple ukrainien est sans faille. Là, puis on est dans le bloc avec le monde occidental pour dire non, la Russie ne prendra pas possession de l'Ukraine. Donc c'est pour ça que la fourniture d'armement et tout ça, ça évolue dans le temps, là, mais ça augmente aussi en intensité. Alors, quelle sera la suite de ça? C'est assez difficile à prévoir. On peut penser à une augmentation des combats avec l'arrivée du printemps. On verra. Mais évidemment, nous, ce qu'on souhaite, c'est que cette guerre-là se termine. Là, il y a eu des rumeurs dans la dernière semaine que la Chine pourrait peut-être fournir des armes aux Russes. Bon, j'espère grandement que c'est pas vrai, évidemment. Ce n'est que des rumeurs de toute façon. Là. Fait qu'on verra. On veut pas non plus que ce soit un conflit qui s'envenime, puis qui dégénère, puis qui s'étende à d'autres zones. T'sais. On peut penser, là... À Taïwan, par exemple, où il y a des tensions avec la Chine. On pourrait penser aussi dans la mer du Japon. Bon. Fait que, il y a beaucoup de choses qu'on sait et qu'on ne veut pas qu'il arrive. Là. Ouais, alors, il faut quand même rester prudent. Mais l'essentiel, c'est de défendre la démocratie qui a été. Tu disais tantôt, c'était pas une guerre, c'était une agression, dans le fond, là, au départ. Et faut pas accepter ça. Parce qu'il faut rappeler que, quoi qu'on en pense, ça a eu des impacts majeurs sur l'année 2022, puis ça en a encore beaucoup. Qu'on parle juste au niveau d'agriculture, tu sais, on parle d'inflation, on parle de problématiques, mais c'est absolument une grosse problématique. Puis même le recouvrement, on pourrait dire, revenir à la situation normale, se fera pas du jour au lendemain. Là. Ça va avoir un impact mondial, international, encore pour une bonne période. Là. Clairement, parce que vous savez que l'Ukraine était surnommée le grenier du monde, là. Ça nourrit plusieurs pays dans le monde. Fait que là, ça a créé une pénurie. Bien sûr, les exportations de grains ont repris en partie, mais c'est difficile. Je sais pas si vous avez vu les reportages, je pense, à Infoman, là, où on montrait les lignes de camions aux frontières, parce que quand tu n'as plus accès à la mer, ben, il faut que ton matériel sorte, que ça complexifie. Puis ça fait une augmentation du coût des grains au niveau mondial aussi. Au niveau des mesures, ici, il y a eu de l'importation de poulet ukrainien là, à l'extérieur du régime de gestion de l'offre. Cette portion-là, on n'était pas d'accord avec ça, on l'a dénoncé, je pense que ça n'arrivera plus. Puis il y a aussi la taxe de 35% sur les engrais, qui n'est pas une bonne mesure, là, tant qu'à nous, parce que on est le seul pays du G7 à l'avoir imposé de façon massive comme ça. Là. Je pense que le Japon a pris quelques mesures, mais qui ont beaucoup moins d'impact. Et ce que ça impacte, c'est nos producteurs à nous. Puis en même temps, ça se trouve à aider les Russes sur les marchés internationaux parce que leur grain devient un meilleur marché que le nôtre. Il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Le gouvernement s'est engagé à remettre l'argent aux producteurs qui ont payé ces taxes-là. Mais c'est pas clair parce que ça a passé par les coopératives de distribution des engrais. Puis la facturation n'est pas égale partout. Des fois, il n'y a même pas de facturation. Fait comment savoir à qui rembourser? Là, on est là-dedans. Là. Probablement, ils vont faire on lancera peut-être un micro-programme destiné aux gens qui avaient acheté de l'engrais en 2022 pour compenser ces gens-là. Fait que ce ne sera jamais une compensation équitable à 100%. C'est pour ça que moi, je dis, nous, on dit, dans le fond, pourquoi on n'enlève pas cette taxe-là? Il y a d'autres façons. Ça ne veut pas dire que si on enlève ce tarif-là, on n'aide plus l'Ukraine là, du jour au lendemain. Bien au contraire. Puis tout le monde est d'accord. Puis j'espère que je ne veux pas être mal interprété ici. Là, quand je critique certaines mesures qui ont été mises en œuvre pour venir à l'aide de l'Ukraine, c'est qu'il faut faire ça comme il faut, puis il faut faire ça de façon intelligente, puis en essayant de minimiser les impacts ici. On est tous d'accord pour aider l'Ukraine, puis d'envoyer des armes, puis de faire d'autres mesures, mais il y a eu certaines mesures qui n'étaient pas adéquates. Là. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthier-Lévis. Depuis plusieurs années,
Nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétro-T sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui, 24 février, et pour ce week-end. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête pour aujourd'hui, 24 février, à Louise Courchaine, à Jacques Boucher et à Rachel Fraser. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Thérèse Thibault. Pour demain, samedi 25 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Suzanne Courchaine. Pour dimanche 26 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Sophie Robert et le Centre d'action bénévole d'Autré souhaite bonne fête à Pauline Ayotte. CTRB participe, avec la table Alliance Dignité, à un projet visant à permettre aux organismes de se promouvoir, de promouvoir leurs services. Depuis quelque temps, il est possible de voir sur nos ondes une publicité visant à informer le service de rapport d'impôt offert par le Centre d'action bénévole d'Autré, le CABA. CTRB vous présente maintenant deux autres publicités pour l'organisme L'Envol, une publicité qui permet à l'organisme de présenter des services offerts au niveau de la santé mentale. On regarde ces deux pubs qui nous parle des services offerts. Mon nom est Annick Steno, je suis intervenante père aidante à L'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement, j'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuits vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cubert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. Voilà, la semaine de relâche est à nos portes. On parle, entre autres, si ça vous intéresse, à Lanoraie. Il y a un carnaval qui débute aujourd'hui, donc il y a des activités à partir de ce soir. Mais on vous parle surtout de la journée de demain, 25 février. Ça se déroulera, ces activités-là, entre 11h et 16h. Sur place, il y aura un DJ, des jeux gonflables, des activités pour toute la famille, des compétitions amicales, on parle même de Godendard. Donc, on verra des gens à l'œuvre avec
le Canadard. Des mascottes seront présentes, un camion de cuisine de rue, il sera possible de patiner. Bon, donc, on vous invite à ce carnaval à Lanoraie. Ça se déroulera au centre sportif de la municipalité. Donc, c'est un rendez-vous pour le carnaval de Lanoraie. Lundi, on vous parlera de d'autres activités du côté de Berthierville, notamment de la bibliothèque municipale. Sur ce, allons à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autré. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garantis, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Au CHDL de Lanaudière, le 10 février, à 73 ans, est décédé M. Luc Valois, fils de feu Omer Valois et de feu Madeleine Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Louane Valois, Xavier Martin, Yann Valois, la mère de ses enfants, Louise Toupin, son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur, Pierre-Paul Valois, José Rondeau, Céline Valois, Michel Guévremont, sa nièce et son neveu, Marie-Christine et Maxime Valois, ainsi que les membres de la famille Toupin, plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 4 mars dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Valois sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Lanaudière, le 11 février à 80 ans, est décédé M. Jean-Yves Mousseau, époux de René Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier, lui a précédé son frère Michel. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Jean-François Mousseau, Catherine Mousseau, oui, Mathieu Béré, ses petits-enfants, Jacob et Victor Béré, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Maurice Rochette, feu France Mousseau, Ginette Mousseau, François Mousseau, Marie Bisaillon, Marielle Lavallée, Réal Joly, Michel Lavallée, feu Claude Bellemare, Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Serge Lavallée, Thérèse Grégoire, Pierre Lavallée, Denise Ducharme, Louis Lavallée, Huguette Prévost, Richard Lavallée, Gisèle Tremblay, Paul Lavallée, Louise Lessard, Sylvie Allaire, feu Jacques Lavallée, Diane Lavallée, Bernard Dupuis, feu Joanne Lavallée, Daniel Lavallée, feu Philippe Ranger, Sylvie Lavallée, Stéphane Love, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 5 mars, 12h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe le même jour à 15h. À l'hôpital de Lanaudière, le 17 février, à 94 ans, est décédée Mme Fleurette Bergeron, épouse de feu Jean-Paul Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé ses fils Julien et Benoît et laisse dans le deuil ses enfants. Lisette Chevalier, Julien Chaussé, Jean-Jacques Chevalier, André Chevalier, feu Paulette Chaput. Ses petits-fils, Francis Chevalier, Véronique Marcille, Ghislain Chaussé, Marie-Christine Gravel, ses arrière-petits-enfants, Noam, Catherine, Galadriel et Victor, sa sœur et ses belles-sœurs, Denise Bergeron, feu Jacques Cournoyer, Denise Massé, feu Albert Bergeron, Thérèse Chevalier, feu Donna Bonnet, ainsi que plusieurs autres parents et amis.
La famille vous accueillera samedi 11 mars dès midi au complexe funéraire situé rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra ce même jour une liturgie à la chapelle du complexe à 14 heures. Madame Fleurette Bergeron-Chevalier sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. À son domicile, le 15 février à 83 ans, est décédé M. Viateur Courchêne, époux de Lise Sarrazin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Marianne Courchêne, Denis Miron, Marc Courchêne, ses beaux-frères André Sarrazin et Maurice Sarrazin, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 12 mars dès 13 h en la chapelle du complexe Thériault à Berthierville, rue Notre-Dame. Une liturgie suivra le même jour à 14 h. Pardon. À la maison Adhémard-Dion, le 6 février, à 63 ans, est décédé M. Pierre Lacourse, natif de Saint-Viateur. Lui a précédé Louise et Gisèle et laisse dans le deuil son fils Mathieu Lacourse, Mylène Anger, sa petite-fille Laurélie, ses frères et sœurs Roger Lacourse, Réal Lacourse, les Ouellettes, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Laurent Lacourse, Bertrand Lacourse et Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynn Roberge ainsi que Claire Coutu, feu Benoît Allard, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 17 mars de 19 à 21 h et samedi 18 mars de midi au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe dès 14 h 30. On vous invite à compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer, dons qui seront acceptés au salon. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de moins 11, un temps ressenti de moins 18. Vendredi soir, c'est des passages nuageux, une température de moins 16, un temps ressenti de moins 22. Vendredi nuit, ce sera un temps dégagé, une température de moins 25, un temps ressenti de moins 33. Samedi matin, ce sera un ciel variable, une température de moins 23, un temps ressenti de moins 30. Samedi après-midi, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de moins 14, un temps ressenti de moins 20, moins de 1 cm de neige. Samedi soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 16, un temps ressenti de moins 22, pas de neige. Samedi nuit, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de moins 20, un temps ressenti de moins 27, moins de 1 cm de neige. Dimanche matin, ce sera de la faible neige, une température de moins 16, un temps ressenti de moins 23, environ 1 à 3 cm de neige. Dimanche après-midi, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de moins 8, un temps ressenti de moins 13, moins de 1 cm de neige. Dimanche soir, ce sera des passages nuageux, une température de moins 12, un temps ressenti de moins 16. Dimanche nuit, c'est des passages nuageux, une température de moins 18, un temps ressenti de moins 23. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe, passez un bon week-end. On se retrouve lundi. À bientôt!